les amis, c'est Monsieur Puss et aujourd'hui je suis à Sidemen, à Bali, et bienvenue au Great Mountain View Resort. Pour changer un peu, je vais pas commencer par vous montrer ma chambre, mais plutôt par le petit déjeuner, car j'ai une vue de malade. Mais là, je vais commander 3 petits déjeuners tellement que j'adore ma vue, quoi. Comme je suis frileux, il faisait 23 degrés, je commence par un bon thé chaud, puis ensuite des petits pancakes avec assiette de fruits frais, dont certains sont du jardin, 300% bio. Sinon, vous avez aussi la version salée avec ici des toasts et des œufs brouillés. Mais ce que j'aime le plus, c'est la vue avec les rizières et le volcan Agoun. C'est magnifique et reposant. Le petit déj est fini et c'est parti maintenant, je vous montre ma chambre. Je vous annonce la couleur, chambre super spacieuse, lit à baldaquin en bambou histoire de garder le côté un peu nature jungle. Ensuite, comme dans chaque chambre, ici vous avez la petite armoire, de l'eau potable à disposition gratuitement et un déshumidificateur si besoin. Le petit coin salon près de la baie vitrée avec tout le nécessaire pour se faire un petit thé ou un café. Mais maintenant, ce que je préfère le plus, c'est la terrasse de la chambre avec une vue de dingue sur les rizières et le mont Agoun qui est, pour la petite histoire, la plus haute montagne de Bali. Le même type de chambre est également disponible avec deux lits, ce qui est idéal si vous voyagez en famille, toujours avec le petit coin salon et la terrasse avec vue qui va bien. Des bungalows comme le mien avec la vue sur le mont Agoun, il n'y en a que 4, donc s'ils sont réservés, vous pouvez choisir l'option du petit bungalow dans la jungle, petite salle de bain bien mimi, ben je vous montre tout ça. Ici, vous avez plus cette impression d'être au cœur de la nature luxuriante. L'ameublement de la chambre est toujours entièrement en bambou. Et là, ce que vous voyez, c'est la chambre avec deux lits. Mais vous avez aussi la version juste avec un lit double, idéal si vous voyagez en couple. Et voici la salle de bain, toujours avec cette impression d'immersion dans la nature. Et pour finir, la petite terrasse mimi de la chambre. Maintenant, voici la version familiale, c'est-à-dire vous avez d'un côté la chambre de papa-maman et de l'autre côté, la chambre des enfants, séparée par une simple porte. Donc au cas où les gosses sont un peu turbulents, l'accès à leur chambre se fait très rapidement. Et pour info, chaque chambre possède sa propre salle de bain. Ici, ce que j'adore, c'est qu'on est à la fois d'un côté dans la jungle et de l'autre côté dans les rizières. Mais ce que je kiffe par-dessus tout, c'est la piscine avec la vue sur le mont Agoun. Bon, aujourd'hui il est un peu timide, mais oh, ça déchire, c'est magnifique. Imaginez-vous allongé sur un de ces transats, entouré de végétation au bord de la piscine avec cette vue magnifique sur le mont Agoun. Mais ça n'a pas de prix, enfin si, celui de la nuitée. Et regardez, vous êtes littéralement au bord des rizières, mais c'est tellement relaxant. Terminé, je vais tester le restaurant de l'hôtel. Petit mi-goringue, franchement, il était vraiment pas mal et j'ai goûté d'autres plats qui étaient tout aussi sympas. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Maintenant, si vous désirez réserver une ou plusieurs nuits à Great Mountain View, je vous mets un lien dans la description et en 2-3 clics, le tour est joué, vous avez réservé vos nuits. Sinon, les aventures à Bali continuent. Donc si vous désirez ne rien manquer, n'hésitez pas à vous abonner et je vous dis donc à la prochaine sur ma chaîne, la bisette, moi. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et maintenant, si vous voulez ne rien manquer, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. À bientôt.